Bon bah du coup je vous reprends pour cet épisode 6. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Minecraft Hardcore Survie Extrême. What the fuck, c'est trop dur, on n'en peut plus, on va tous mourir. Peu près, c'est à peu près ça quoi le délire. Défi de ouf, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc j'ai pas trop bougé, hein. J'ai rien fait en fait même depuis la dernière fois. Ouais, que mon inventaire encore une fois c'est le bordel. Il nous faut donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tuer un mouton. Alors celui-là, ça va être, je vous dis, ça va être un ben sang quand on va le trouver. Celui-là là, il nous a saoulé. Alors cet or, on le met là. Je crois qu'il y avait de l'or là aussi. Tac. Lui, je vous dis, le mouton là, je vais le déchirer. Ah, tiens, du diamant. Bon, pour l'instant, je le prends pas. Ça, je vais le mettre dans les matériaux de construction. Ça, je pareil, ça, pareil, ça, pareil, ça, pareil, ça, pareil, ça, pareil, ça, pareil. Wesh. Ah, bon, du coup, on a rangé tout notre inventaire. Ce qu'il nous faut à tout prix, c'est des. Bon, lui là-bas, là, on l'a vu à peine. Il est très dangereux. Ce qu'il nous faut à tout prix. C'est des pousses, genre des cannes à sucre, ou je sais pas trop comment ça s'appelle là. Vas-y. Ouais, parce que je peux pas sortir en fait quand je suis là. C'est quand même dommage. Il nous faut genre ouais des cannes à sucre, je sais pas trop ce que c'est, les trucs qui poussent à côté de l'eau là. Par contre lui là-bas, j'ai vraiment pas envie de me frotter à lui. Lui il est vraiment trop fort pour de bon. Lui me one shot. En fait, il n'y a que lui, je crois qu'il me one shot. Lui me one shot dans tous les cas. Hein, quand je dis dans tous les cas, c'est dans tous les cas. Même si je me protège, si j'ai une armure en diamant ou quoi, lui me one shot tout le temps. Le violet, si je me protège, je crois qu'il me one shot pas. Sauf si je suis vraiment collé à lui. Il n'y a pas de raison d'être collé à un creeper quand même. Mais lui, il est vraiment trop dangereux. Lui, c'est fin de l'aventure direct. Donc, on va tout simplement l'éviter. J'en ai vu du canne à sucre là-bas, là. On va voir comment ça s'appelle, c'est pas de la canne à sucre. Hein. Alors lui, toi tu vas pas me saouler. Je sais que tu vas tout me voler là sinon. C'est quoi ça? Du cuir, il y avait du cuir sur lui. Alors ça il m'en faut. Avance, gros sac. J'en ai trois. J'en ai que trois. Il y a que ça? Après ça se replante, hein. Pareil. Tout se replante, faut vraiment que j'arrête de faire cette gueule. Bah du coup je vais être obligé d'en planter. Je vais être obligé d'en planter, de les laisser pousser. Je sais pas combien il en faut pour le. En fait ça me servira à faire du papier pour la carte du coup. Ça me servira à faire du papier pour la carte. Je pense que je vais le garder cet endroit-là, non? C'est plutôt mignon. Ouais, vas-y, je vais le garder. J'en ai 4. Ok. Ça se plante là-dessus? Non, évidemment. Là, ça se plante. Là. Là. Wesh, rends pas fou. Et là. Voilà. Rends pas fou, je l'ai dit. Ok, qu'est-ce que j'ai viré? Ça. Voilà. Donc, bah, ça, il va falloir attendre que ça pousse, tout simplement. Ça va pas mettre longtemps, je pense. Donc, ça sera pour la carte, pour faire du papier. J'ai déjà la redstone. Je peux le sac à dos, ouais il me faut à tout prix l'or j'en ai, il me faut à tout prix le mouton. Il me faut à tout prix le mouton hein. Il me faut à tout prix ce mouton de merde. Alors le fusil à pompe. Le fusil à pompe je crois que je peux me le faire. Ouais, on va sur un fusil à pompe les gars. On va se faire un fusil à pompe. Alors du coup l'épée on va la déplacer ici. La hache, ça ici. Ok. Et le fusil à pompe du coup. Alors le fusil à pompe déjà il me faut. Il me faut ça. Tac. Ouais, je fais un peu de nimp. Alors déjà, avant toute chose, il me faut un petit levier. Donc du coup, le fusil à pompe. Pour le faire, j'avais déjà un petit peu commencé. Tac. Pas besoin de tout ça quand même, pas pousser. Alors j'avais besoin de beaucoup de fer. Alors j'ai ça à faire. Ça c'est le canon, je crois bien. J'ai ça.
Pas trop ce que c'est. Ensuite, j'ai ça plus ça. Un receiver. Et ensuite, j'ai. Faut que j'assemble tout ça du coup. Faut que j'assemble tout ça. Et, ok. Avec du bois du coup. Tac. Voilà, c'est ce qui fait la crosse et tout ça. Pour les balles, j'ai besoin de poudre à canon. Pour les balles, est-ce que ça marche comme ça, si je m'en souviens? Tac. Et tac. Ah, ça, c'est des balles. 8. Ouais. Ça consomme beaucoup, hein. Quand même. 16. Vas-y, on va s'en faire un peu plus, hein. Il va bien falloir les utiliser quand même. Faudra que je bute un max de creeper. Ah, je peux les stack que par. Par 16. Ok, bon, bah ça, écoute, je le repose. Ça, je le repose. D'accord. Et ensuite, du coup, pour monter ça, ça marche comme ça, je crois. Je crois que c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. Je crois que c'est ça, pump. Je crois que c'est ça. Voilà. Et là, j'ai un fusil à pompe, sa mère. Voilà, les gars. Un fusil à pompe. Ça y est, on l'a. Alors, pour recharger, c'est R. Voilà. Il y a 8 balles dedans. Normal. On peut viser. Quand on tire, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Ça one shot quasiment tout. Quasiment tout. Donc c'est très bien d'avoir ça. Ok. Là j'ai mon épée au cas où le combat part en vrille. Bon là on a quand même bien step up. Hein. Bah écoutez, on va dormir. Pour le moment. On va dormir. On se réveille. Qu'est-ce qu'on a en bordel? On a ça. Toujours plein. On est toujours. Bon ça va. Ça, pas toujours plein de merde non plus. Ok. Il me reste que 8 balles. Ça va aller très vite. Hein. Va vraiment falloir que j'éclate du creeper à longueur de temps en fait. Heureusement qu'il y en a plein. Et on va aller chercher du mouton. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Tac. Des scissors. Histoire d'éviter de les tuer. Quoi? Même si, bon, j'aurais bien envie d'en tuer un quand même. Du coup, on va y aller. On va aller chez les Romains là. Tac. Tac. Et. J'ai un problème quand même au niveau de la symétrie et tout, hein, les gars. Non? Ok, bon, bah, on va aller les tondre, hein, les gars, les moutons. Va pas aller les tuer. Donc mouton, objectif mouton. Je me bade avec ça. C'est un peu mieux là. Ouais. La gueule qu'il a. Ouais, c'est pas. Ça ressort pas de ouf, hein. Alors, du coup, les Romains étaient par là-bas, je crois. C'est la première fois que je m'éloigne un peu vraiment du. De ma base depuis que je suis arrivé quand même, ça fait je sais pas combien d'épisodes, ça fait 6, pardon, oui, je sais combien. Ça fait 6 épisodes quand même. C'est la première fois que je retourne voir les Romains quand même, c'est hallucinant. Si on trouve, ah voilà, ce que j'allais dire. Si on trouve la canne à sucre, je vais en prendre. Même si c'est pas de la canne à sucre, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. La texture est un peu buggée, c'est à cause du mode. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Canne à sucre. Bah si, c'est de la canne à sucre du coup. Ok. Des vaches. Ok, bah ici tu vois là par exemple, faut se rappeler qu'il y a des vaches ici. Va falloir les attirer jusqu'à la zone d'élevage. Ça on le fera dans l'épisode prochain du coup. Va falloir les attirer. Pour bah commencer à faire un peu d'élevage quoi. Parce que ça la viande de vache là c'est bon hein. Bon steak là, ça ramène plein de points de vie. Bon, allez, on continue d'avancer. On va aller juste découper la laine du mouton. On va pas les découper eux-mêmes. Parce que c'est assez risqué.
si ils appartiennent aux Romains. Il y en avait là, hein. Ah. Ah, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Je vais pas, j'ose pas les tuer. Hein. Salut les gars. Va falloir que je vienne vous discuter avec vous un peu là aussi. Tac, on va prendre ça. Vas-y, donnez-moi votre laine là. Alors, il y en a combien? 3. Ça suffira pour faire le sac à dos. Il n'y en a que 2 de moutons. Faut pas qu'ils meurent quoi. Ah non, il y en a 3. Ok. Ok. C'est quoi comme village déjà ça? Non, c'est pas ça. V. C'est un Corio orthodoxo. Donc c'est pas un village qui m'intéresse des masses. En gros, c'est une église quoi. C'est un village religieux. C'est-à-dire qu'ils vendent pas des masses de choses qui pourraient m'intéresser, des armures, des trucs comme ça, ils en vendent pas. C'est con. C'est con. Mais bon, tant pis. Bon, on est allé prendre notre. Attends, je te. Voilà. Hop là, c'est gratuit. Je sais que vous voulez que j'utilise le pompe. Vous l'utilisez? Ça, c'est un bébé. C'est-à-dire qu'il avait moins de points de vie en fait, c'est ça. Bon, allez, je vais utiliser le pompe sur un adulte en forme puissant. Et vous allez voir les ravages. Je vais pas vous frustrer quand même, ça fait longtemps qu'on l'attend cette arme à feu là. En même temps que je l'ai, je vais quand même l'utiliser. Hein. Faut juste que j'en trouve un. On va pas l'utiliser sur une vache, ça serait quand même dommage. Ça montrerait pas toute la puissance de cette arme. Bon, bah, peut-être que je l'utiliserai pas du coup. Ah, j'ai pas beaucoup de balles pour l'instant, donc c'est pas finir gaspillé quoi. Ça attendra les gars. RIP pour le faux espoir. Alors, du coup, on va se crafter notre sac à. Ah bah voilà, il y en a là-bas. Ah mais celui-là c'est. Ouais, celui-là est dangereux par contre. Celui-là est dangereux, celui-là il me défonce. Vous voyez, ça c'est un mâle, genre. C'est ce que je me dis, mais peut-être que c'est une femelle en fait, du coup. Enfin bref, ça c'en est un qui est vénère, quoi. Lui il attaque, il est pas comme les autres. Donc, on va laisser tranquille, parce que quand même, éviter de mourir, quoi. Ah, ça serait dommage. Si on meurt, c'est fini, hein. Genre la série s'arrête là, elle peut faire 6 épisodes et fini, quoi. Donc. Alors, le sac à dos. Le sac à dos, le sac à dos. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Là, ça fondait ici, là, ça fondait ici. Là, ça fondait là. Enfin, ça fondait pas, ça cuisait. Ok, alors, le sac à dos, il nous faut du cuir. Du cuir qu'on a ici. Il nous faut un petit bloc d'or. Un petit lingot d'or. Et après, j'aurai mon sac à dos. Alors, si je me souviens bien, c'est ça. Que c'est pas ça par hasard, ça et ça. Yes, voilà ça. Ça on est refait les gars. Un petit sac à dos, voilà. On va mettre un peu de viande à cuire, voilà. Niveau bouffe, je pense que ça ira. Parce qu'elle met peut-être. Ok, ça on peut poser. Ensuite niveau carte. On peut commencer à faire la boussole, il nous faut ça, je crois. J'ai quand même des bons restes, hein. J'ai quand même des bons restes. Ça fait vraiment quand j'ai dit très longtemps que j'ai pas joué, je crois que la dernière fois que j'ai joué c'était en 2016. Alors ça c'est pour la carte. Petite boussole, du coup. Et il nous faut du papier, je crois qu'il faut entourer la boussole de papier, puis ce sera bon. Est-ce que ça a un peu poussé? Vraiment vite fait quoi. Du coup. Alors, enfin je. Ouais. Tac, tac. Voilà. Voilà. Carte vierge. Yes. On va l'ouvrir en plein milieu de ma forteresse. Tac. Du coup, le milieu, il est là. À peu près. Tac. Là. Et. Carte. Voici la carte. Ah ouais non du coup c'est pas bon. On a la carte vraiment proche quoi.
Faudra en faire un peu plus. Mais bon, ça va. Déjà, on a la carte. Et en gros, comme j'ai mis les feuilles de papier, on replace la carte au milieu pour l'agrandir, pour faire vraiment le zoom minimum. En gros, pour que la carte prenne toute la. Pour avoir la plus grande carte possible. Après, en fait, on remet la carte ici, on remet des feuilles de papier autour, et du coup, ça agrandit la carte. Ça rétrécit l'échelle, si on veut parler géographiquement, les amis. Ouais, j'ai un petit problème avec la géographie. Et alors? Bref, alors cette merde, du coup, bah, on est de nouveau rempli de saloperies. C'est pas grave. Alors, du coup, le sac à dos, je ne sais plus du tout comment on l'utilise. Alors ça c'est pour mettre les trucs dedans, on le pose. Wearing a chest plate. Aïe! C'est pas vrai. Ok les gars, le jeu a crashé. Le jeu a crashé. Bon, les gars, on a fini du coup tous nos objectifs dans cet épisode 6. On a fait la boussole, la carte. Le fusil à pompe, le sac à dos. Le sac à dos, visiblement, il y a un petit problème par rapport à la compatibilité des modes. Ça, je ne savais pas du tout. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. C'est assez problématique, mais bon, c'est pas grave. On va régler ça. Je vous en parlerai dans l'épisode prochain, du coup, dans l'épisode 7. Donc, bah, je vous dis ciao, les gars. Et à la prochaine. Ciao, guys!